Et salut à vous, bienvenue pour ce 25e épisode de The Legend of Zelda Majora's Mask. Je pensais pas faire tant d'heures, hein. Puis il y a eu cette quête des masques qui est arrivée et je suis tombé dans le panneau. Vous me devez 25 000... Vous me devez, attendez, 10, plus de 10 heures, plus de 10 heures. Donc nous sommes à 50 heures de jeu. Vous me devez 40 000 points de Whammer. 1000 points de l'heure. Monsieur Docteur Nintendo, 40 000 points de Whammer au-delà des 10 heures. Est-ce que ça vous fait plaisir, Monsieur Docteur Nintendo? Bonsoir Docteur Nintendo, bonsoir T41, le parrain. Comment ça va le parrain? J'espère que tu vas bien. Alors, me laisser aller à Ikana, d'accord, Docteur Nintendo, mais faire le hibou, je sais plus où il était, le hibou, moi. Je sais plus où il était. Allez, on va faire le point sur le top. À mon avis, j'ai dû prendre une place, je pense. Et j'ai pris une place, effectivement, j'ai dépassé le Diable des Whammer. 106 000 points. Non, même pas, je suis toujours à la même place. C'est que je suis très très proche de Monsieur T41. Très très proche. Je suis à 400 points de Monsieur T41. Le plaisir. En tête, Docteur Nintendo, 714 000 points. Deuxième, Big Matt. Et troisième, Top Toff. On va faire le point sur le Top Hours tout de suite. Le Top Hours, Docteur Nintendo, 616 heures. Je vais atteindre les 600 heures bientôt, moi aussi, hein. Faire plaisir et Top Toff 547 heures. Énormissime. Bravo, monsieur. Docteur Nintendo. C'est parti. On se lance. Tranquillement mais sûrement. À faire le hibou, ça je sais pas, Docteur Nintendo. Franchement, faire le hibou, je ne sais pas du tout. Alors, le hibou, je sais plus où il était, moi, à Ikana. Qu'est-ce que j'en sais où il est? Allez, 21 masques. 21 masques. À l'aube du premier jour, on va faire la musique tout de suite. Hop. Pour ralentir le temps. Ouh, monsieur T41. Faut encore faire des gambles, monsieur 41. Monsieur T41. Plus vous perdez, et plus je gagne. Attention, on va tenter, on va retenter. Est-ce que je vais me rapprocher de T41? Ouh, je me rapproche. Je me rapproche. Il doit plus avoir que 100 points d'écart entre nous. Allez, direction Ikana. Mais où elles sont, Ikana, franchement, où elles sont? Où elles sont, ces fameuses... Ces fameuses... Ah, mais attendez, le hibou, la musique... Je me rappelle pas avoir vu un hibou, moi, à Ikana. J'arrive pour t'écouter, mon casque merde un peu. Je sais plus où il est, le hibou, Docteur Nintendo. Donc, ce que je me souviens, c'est qu'on avait la musique. Attendez, on est bien bon, on a tous les masques. Oui, c'est bon. Donc, il en reste plus que 3. Ah, mais j'ai plus de vie. Vous savez ce qu'on va faire? On va récupérer les fées. Comme ça, je pars avec 4 fées, je suis bien, je suis tranquille. On va pas s'emmerder. Ok, on va faire ça. On va se faire une petite quête de récupération de fées, histoire d'être bien. Alors. Je sais pas du tout où il est, ce hibou. Hein. Je sais pas du tout où il est. Faire le hibou. Faire le hibou. Vous m'avez pris pour un hibou, monsieur. Monsieur Docteur Nintendo. Ok. Alors, on va faire prendre... On va prendre ça. On va prendre ça. Ok. Très bien. Et on va recommencer. Salut, Shadowhammer. Comment ça va, Shadowhammer? J'espère que tu vas bien, Shadowhammer.
Le Loch Ness nous salue. Ou plutôt, le monstre du Loch Ness nous salue. Est-ce que tu as choisi ce que tu voulais avec les WAM Coins? Tu veux prendre un badge de VIP? Ou est-ce que tu veux prendre ta phrase personnalisée? Ou ton message personnalisé? Très bien. Parfait. Ensuite, on va récupérer deux autres. Voilà, comme ça, on est full fait. Pourquoi? Voilà, merci bien. S'il va bien, Shadowhammer, ça fait plaisir. Alors, on y retourne. En vrai, le badge, sans hésitation, moins cher et j'imposerai le respect. Ça, c'est bien dit, Monsieur Shadowhammer. Ça prouvera que vous êtes une tête de série. Je vais pas l'attraper. J'ai réussi à l'attraper. C'est très bien. On est reparti. Alors, hop. Et on va récupérer la dernière. C'est encore trop tôt, t'es quand... Alors, WAM, ça sert à rien de prendre trop de fées? Tu vas avoir besoin des bocaux. Allez, c'est parfait, on peut arrêter. Merci beaucoup. Donc, on file à Ikana. On file à Ikana. De tes bocaux. Mais combien de bocal? Je peux aller où? À la route du lait. Ça sera plus rapide, je pense. Il nous empêchera de sortir de Bourg-Clocher. Très très bien ce jeu. Hein. J'aurais été fier de l'avoir terminé. Hein. Vraiment. Hein. Alors, hop. Hop. Et le grappin. Le grappin, il est où? Il est là. Go, c'est parti. Ah merde, je suis pas du tout au bon endroit. Donc je pense qu'il faut que je sorte ici. On va faire un petit tour gratuit. Parce que ça peut toujours servir. Ça peut toujours servir, messieurs. Ok, ça m'aura bien mis de la vie quand même, hein. Allez, on est full vie, direction Ikana. Bonsoir, monsieur Toptoff, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, monsieur Toptoff. 46 000 WAM coins, à peu près un quart de badge. Donc, c'est vraiment le badge qui t'intéresse, du coup. C'est vraiment le badge qui t'intéresse. Et comme toujours, il va bien, le Toptoff. Monsieur Toptoff, préparez l'alarme pour 23h, s'il vous plaît. Je vous remercie bien, Monsieur Toptoff, de votre ponctualité. On va récupérer le masque. Mais forcément, je peux pas le mettre parce que je suis en goron. Ah, petit bug de texture. On a vu le ciel dans la terre. Bravo. Elle est là. Voilà, chercher Epona.
Hop. On tourne. Parfait. Parfait. Alors, hop, le masque. Oui, oui, j'ai le masque, t'inquiète. Ah oui, je veux le badge, car je suis presque sûr. Je suis presque sûr. Pas fini de lire. Je suis presque sûr que si je mets une commande, je ne m'en souviens plus en un mois top chrono. Le badge, il restera tout le temps, hein, effectivement. Secours, esquivation. Esquivation. Je sais plus où il est, hein, ce hibou, là. Donc, je devais pas l'arriver ce soir, mais je me suis dit, faut qu'on avance. Faut qu'on avance. On n'a pas de temps à perdre. Parce que le temps n'a pas le temps pour le temps. Le hibou. Ah, mais on peut aller là-haut? Attendez, on peut aller là-haut. Ça fait que les stuns, ça, je crois. Je crois que ça fait que les stuns. Putain, mais regardez-moi cette jouabilité. Ah non, ça peut les tuer. Ça peut les tuer. Alors déjà, est-ce que je peux aller là-bas? Pas normal, c'est du bois. Pourquoi le bois n'est pas pointé? Pourquoi je m'accroche pas sur le bois? Pareil, les lianes. Normalement, je m'accroche aux lianes. Par là, je peux monter. On va voir. On va voir. Est-ce qu'il peut s'accrocher? Non, il s'accroche pas. J'ai l'impression que c'est fait pour faire joli. On va tenter d'aller là-bas. Est-ce que c'est faisable? Non, c'est trop loin. Même si je fais ça? Non, c'est trop loin. C'est trop loin. Il était où, le hibou? Est-ce qu'il faut que je suive la... Voilà. Est-ce que je peux faire quelque chose avec eux? Maître ordonne, je t'obéirai. Je parle pas, car la partie que je dois te backseat est assez compliquée. Ah ouais, carrément. On va lui envoyer des gros coups. Voilà, des gros coups. Voilà qui est regrettable. Tu as été un adversaire vaillant. Je tire ma révérence en ouvrant mon esprit et mon cœur. La sagesse s'échappe de mes lèvres. Pour franchir la vallée d'Ikana, il te faut décocher tes traits de glace. Ah, les flèches sur les créateurs de la rivière. Défiance et méfiance sont tes compagnons. Mourir sans laisser de traces, telle est la voie du Garros. Très bien, flèche de glace vers les créateurs. Flèche de glace. Maintenant, qui sont les créateurs? Est-ce que ça serait en amont de la rivière? On crée une rivière en amont, on crée pas une rivière en aval, non? Wam, tu n'as pas de flèche, tu peux franchir... Pour franchir le pont, si, j'en ai récupéré, je crois. J'en ai récupéré, j'en ai 30. On est bon. Créature aveugle man. Autant pour moi. Donc oui, ici c'est bloqué. Ouais, je m'en fous.
Non, j'en veux pas. Ah, ici. Non ! Au secours ! Au secours ! Putain, cette quête de l'enfer ! Ah, carrément ! Arrête, tu me fais peur, là, monsieur Docteur Nintendo. Mais moi, ce qui me rend ouf, ce qui me rend vraiment ouf, c'est franchement... Y a rien qui t'indique ce que tu dois faire, quoi. Comment savoir... Par exemple, je vous prends référence sur le dernier live. Comment peut-on savoir qu'il faut aller ouvrir une tombe le premier jour, la nuit du premier jour, pour avoir la musique du quatrième donjon? Vous pouvez m'expliquer? Vers les créateurs. Vers les créateurs. Déjà, je vois pas de créateurs. Les créateurs, ça peut être des statues, peut-être. Ça peut être des statues, je sais pas. Les créatures. Créatures. Bonsoir, Chef Puma. Vous avez vu, Monsieur Chef Puma, je n'ai pas changé. Hein. Je n'ai pas changé, Monsieur Chef Puma. Créatures. C'est des créatures. Des flèches de glace vers les créatures. Flèche plus... Est-ce que ça serait la flèche glacée ici, par hasard? Et est-ce qu'il y a un indice sur la porte? Cœur, serpent, d'accord. Avant, rien ne t'était expliqué dans les jeux vidéo. Ouais, mais là, c'est chaud, quand même. Les poulpes, tu les gèles. Ah, c'est pour monter sur l'arbre. Merci beaucoup. Ah, c'est ça qui me dit. En plus, c'était à côté, effectivement. Ok, marche arrière tout de suite. J'ai cru voir des... Comment tu fais pour les récupérer, ces rubis, là? Ça serait pas avec les... Avec la technique du Zora, peut-être? Faisant des petits peu plus haut, peut-être. Ah non, ça doit être avec... Ça doit être avec... ici, là. Ça doit être avec le haricot magique. Les indications viennent des bombers et de ces ninjas. Tout est indiqué, mais il faut chercher les infos. Donc il faut aller parler aux bombers à chaque fois. Selon la phase où tu es dans le jeu. Et oui, forcément, si je bute les deux poulpes, je peux aller sur la zone d'en face. Ok. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Impeccable. Alors, du coup... Oui, pensez aussi. Hein. Alors, flèche de feu... Flèche de glace, pardon. Flèche de glace... Flèche de glace... Forcément. Saloperie. Il y a qu'à moi que ça arrive, ces trucs-là. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude, ce n'est qu'à moi que ça arrive. Mais pourquoi il est tombé, ce couillon? Je sais pas s'il reste indéfiniment. Le bloc. Ah ben non, il reste pas indéfiniment. C'est parti. Go, c'est parti. On est bon, on va se mettre dans l'axe. Tranquillement, on y va. Ouais, ouais, je me disais bien comment on fait pour aller sur ce truc-là. Donc du coup, maintenant... J'avais compris l'énigme hein, pour les flèches de glace tout de même. Donc du coup, ça nous permet d'aller sur ce truc-là. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Y a rien. Y a rien, on va regarder en l'air...
Ah, on peut monter ici. Très bien. On peut monter là. Passez une bonne nuit, T41. Merci d'être passé. Repose-toi bien, surtout. Hein. Repose-toi bien, monsieur T41 est malade. On lui souhaite un bon rétablissement. Ah, ben il y a notre ami Tingle. Écoutez, on va acheter la carte. Ah, enfin le hibou. J'aurais pu la récupérer. Ah putain, mais oh là là, elle va être grande cette zone. Parfait, ça c'est très très bon ça. Ça c'est très très bon le hibou pour la téléportation, c'est nickel. Bien, d'accord, on arrive vraiment sur une grande zone là. Du coup, ça donne quoi sur la map? Elle n'est pas encore découverte. On va emmerder Tingle, tiens. Je sais pas si c'est d'ici Tingle, mais on va tenter. Donc vous avez vu qu'il y a un système de notes que j'ai mis sur, sur le Discord dans l'annonce. Oh putain, bon d'enfaros. Pourquoi il vient m'emmerder? Franchement. Oui, elle veut me parler, cette mongolienne là. Laisse-moi tranquille. Tingle, je sais pas s'il va descendre ici. Je pense qu'il va descendre plutôt là-haut, là. Je pense pas qu'il va venir à mes pieds. Hein. Ouais, oui, non, il va tomber oui, sur la face supérieure. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Taya? J'ai fait le dragon ailé, messieurs. Hein. Premier slot du live, s'il vous plaît. Je tiens à le dire. Hein. Je vais faire... un pense-bête pour le truc que je t'indique précisément où aller pour te faire gagner du temps. Parce que le temps n'a pas le temps pour le temps, Docteur Nintendo. Ne l'oublie jamais. Le WAM a sorti le dragon ailé en début de live, ça fait plaisir. Je ne peux pas le voir, mais je sens comme une sorte d'appel du sang. Ah oui, mais c'est bon, elle me l'a déjà dit. Oui, j'ai un masque. Donc, du coup, il faut suivre les indications des mini-boss. Oh putain, vont m'emmerder encore eux. Ok. Bon, c'est parti. Le masque des enfers. C'est pour ça que tu as dépassé les 100 000, effectivement. Maître ordonne et j'obéirai. Ok, c'est bon, ça va partir en bagarre. On est au courant. Bon, ils sont très très simples. Hein. Tu attends son attaque. Et tu la smates. Voilà. Y a pas plus facile. Hein. Et deux coups, ça suffit en plus. Hein. Alors, voyons voir c'est quoi les indices. Voilà qui est regrettable. Tu as été un adversaire vaillant. Je tire ma révérence et mon cœur. Pour libérer la rivière asséchée, tu dois aller dans la source souterraine. D'accord. Pour libérer la rivière asséchée, tu dois aller dans la source souterraine. Défiance et méfiance. Mourir sans laisser de traces. D'accord. Je dois aller dans la source souterraine. Bon, on va aller voir Tingle, on va lui payer la carte. Il est où ce con? Ah mais me dites pas qu'il s'est renvolé, non? Putain, cet enfoiré s'est renvolé. Oh putain. Elle revient m'emmerder. Cette corbac des enfers. Voilà. Oh bien joué, Top Toff. Dégoûté mais content de mes triples dragons. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Oui, mais on l'a rencontré 4 fois. Est-ce qu'il y a 4 Tingle? Ou est-ce que... Il me suit. Parce qu'il n'y a qu'une seule... J'ai qu'une seule idée en tête. Il me suit, c'est pas possible. Oui, 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 très bien. J'achète les cartes, moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? La forteresse de pierre. Bourg-clocher 40. On l'a, bourg-clocher. Allez, parfait. Vous obtenez la carte de la forteresse de pierre. Très bien. Ça, c'est très très bien. 3 semaines quand même. Hein. Ça, c'est pour m'avoir fait caca dessus.
Les histoires restent entre les lives à ce que je vois quand même. Hein. Ce sont les mots magiques que Tingle a créés tout seul. Oh non, 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 je veux pas te parler. Kururimpa. Très bien. Bon, on va commencer à rentrer dans les maisons, du coup, hein. Ah, putain, ils t'ont remis les momies. Bordel, ils t'ont remis les momies. Le retour des momies. C'est pas les mêmes, hein. Ils les ont changés, non? C'est un nouveau Bob, ça, hein. Éloigne-toi de chez nous, mon père n'est pas l'un d'entre vous. Ok, je peux pas rentrer. Très bien, on va aller voir l'autre maison. J'ai cru voir une autre maison. Attendez, ici déjà. Ah ça, ça veut dire que... Ça veut dire que... Ici, il y a encore un mob. Il y a encore un mob. Voilà. Très bien. Ben, fini le Docteur Nintendo. Ok, j'ai presque fini le cheminement optimal. C'est parfait, monsieur Docteur Nintendo. Parfait. Me dis pas qu'il me dit la même chose, hein. Ne dis pas qu'il va me dire la même chose. Au sommet de la colline Ikana, aucune présence humaine n'ose s'aventurer, sauf un père et sa fille qui vivent dans le moulin. Ok, donc je peux les trouver au nord. Je peux les trouver au nord. Que me dit le panneau ici? Porte du château d'Ikana, ces portes sont scellées. Quoi que vous fassiez, elles ne s'ouvriront jamais. C'est peut-être la porte du temple, hein? Est-ce que ça ressemble à un temple par hasard? Ça peut ressembler à un temple, peut-être. J'ai vu qu'il y avait un trou ici, par contre. Il a eu un doctorat, c'est pour ça que c'est un rat doctorat. Vestige du château d'Ikana, mais je croyais que je pouvais pas rentrer. Qu'est-ce qui s'est produit? Je comprends pas ce qui s'est produit. Ah, je peux le déplacer? Non, je peux pas le déplacer. Qu'est-ce qui s'est produit? Je ne sais pas. Bon, on va aller vers le sommet, rencontrer le père et sa fille, je pense. Je pense qu'on n'a pas le choix. Je pense qu'on n'a pas le choix. On va mettre un petit peu les oreilles de lapin. Entre un père et sa fille. Ah, on peut pas monter. On est dans la merde. Ah si, on peut monter par là. Attendez, je suis pas rentré ici aussi, hein. Ah ben c'est la fontaine de fées, bien évidemment. On va se faire recharger la santé. Est-ce que Chef Puma est encore là? Comment il va? Comment ça se passe les études? J'aimerais bien savoir. Notre Chef Puma international. Nous avons du pain sur la planche, monsieur Chef Puma. Alors, rien du tout ici, très bien. Encore? Ça veut dire que je vais avoir un secret, là. C'est pour le masque? Très bien. Ah, mais c'est ici. En fait, on voit les ombres. J'aime bien cette technique des ciseaux, là. Ah, bah il me dit la même chose. On peut encore monter, je crois. Qu'est-ce que c'est ici? Hutte des fantômes.
Nous vous avons préparé des esprits qui n'attendent que vous. La hutte des fantômes. La hutte des fantômes. Norman fait des trucs un peu malsains. Celui qui a les deux refs. Ah, c'était ceux qu'il y avait dans le château, je m'en souviens. Ah, il est de retour, lui. Et le royaume d'Ikana a été fondé dans ce pays. Son histoire est attachée de violence et de sang. Maintenant, c'est un endroit qui sert de refuge aux esprits égarés. Ceux qui cherchent un adversaire supérieur à leur force trouveront ici l'ultime défi. Sous la forme d'un groupe d'esprits morts dans d'atroces douleurs, si tu as foi en tes compétences et en ta puissance, alors essaie de sauver ces âmes souffrantes. Mais tu dois payer une somme de 30 rubis. J'ai 30 rubis. Ça doit être pour un quart de cœur, ça. Ça doit être pour un quart de cœur. Bah écoute, moi ça va toujours nickel, hein, les études, pareil. Ministre du jeu vidéo, monsieur... Monsieur Chef Puma, vous n'avez pas le choix. Donc, pour le puits, c'est mort. Tu vas aller acheter une potion bleue trouvable pour 100 rubis à la Pest Mojo près de la cachette. Vous êtes sérieux, monsieur Docteur Nintendo? Vous êtes sérieux, monsieur Docteur Nintendo? Monsieur Docteur Nintendo, vous êtes sérieux? On est passé devant il y a une demi-heure. Le temps n'a pas le temps pour le temps. J'ai bien vu, monsieur Docteur Nintendo. Mais je t'ai déjà dit que je deviendrais pas président. bon, écoutez, ben, on n'a pas le choix. Je suis obligé d'aller chercher 100 rubis. Merci, monsieur Docteur Nintendo. Bravo. Mais le puits, c'est après la phase avec la fille. Mais... Ah. D'accord. Ah, ouf. Heureusement. Donc, je peux continuer à aller là-bas. Je peux continuer à visiter, en fait. J'ai failli partir, moi. J'ai failli partir. Donc là... Ici... Grotte d'eau de printemps, entrée interdite en raison des apparitions de fantômes. Ouf, heureusement qu'il m'a prévenu, Docteur Nintendo. Il se passe quelque chose. On a du pain sur la planche, monsieur Chef Puma, je vous le rappelle. Hein. Est-ce que vous avez terminé de votre côté? Que viens-tu chercher dans le royaume d'Ikana, pays où seules subsistent les ombres de la nuit? Ah, le fantôme. C'est Mario! Quoi, fini quoi? Le montage, monsieur Chef Puma. Chut! Le montage! Ce n'est pas un endroit pour un être gorgé de vie comme toi. Peut-être es-tu venu pour gonfler les rangs des défunts. Qu'il en soit ainsi. Si c'est ta volonté, alors la mélodie de Diez, le grand compositeur, te plongera dans le sommeil froid et glacé du royaume des ombres. Tu vas nous rejoindre. Bien. Oh putain, combat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Flèche. Flèche de feu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Au secours! Ah oui, j'ai que le son, pas la vidéo. Oui, oui, tout à fait. Ne donnez pas trop d'indices, monsieur Chef Puma. Mais je vais pas te le cacher que c'est chaud, hein, depuis 3 semaines niveau temps pour moi. C'est pour ça qu'on prend le temps. Le temps n'a pas le temps pour le temps, monsieur Chef Puma. Le montage. Je fais quoi, là? Il est en train de me violenter. Le masque de fantôme. Le masque de fantôme. Peut-être le masque de fantôme, voyons voir.
Non, même pas. Pareil. N'as-tu pas appris un chant pour aider le frère de bémol? Effectivement. Le chant. Bon, on va enlever ce masque dégueulasse. Le chant. Effectivement. J'avais oublié. C'était le chant des tempêtes. C'est ça, c'était le chant des tempêtes. Mes larmes couleront à flot, il avait dit. A, bas, haut. C'était hier, bordel. Qu'est-ce que... cette chanson? Non, ce n'est pas possible, cette chanson. Que se passe-t-il? On va pouvoir plonger, je pense. Ah non, la rivière coule, c'est bon. Ok, le moulin fonctionne. Oui, j'avais oublié Top Top, effectivement. Ah, ça y est, ça refait de la musique. Vous êtes contents ou ils vont être énervés, les momies? Non, elles s'endorment, je crois. Ah non, elles se réveillent. On n'est pas dans la merde. Ah, ça les a butés. Oh, la porte s'ouvre, magnifique! Bémol, mon cher frère, pourras-tu pardonner à ton frère devenu fou qui voulait faire revivre la gloire éteinte de la famille royale d'Ikana? Toi, oui toi, qui n'as pas peur des morts. Grâce à la chanson de mon frère, tu as levé la malédiction qui était placée sur moi, je t'en remercie. Cet endroit n'est pas pour nous. Nous, les morts, nous devons partir. Tout ça, c'est un tour que ce garnement masqué nous a joué. Si tu ne crains vraiment pas les morts, tu dois aller dans le temple de ce royaume pour trancher le lien maléfique qui nous unit au monde des vivants. Pour faire cela, moi, le seul qui connaisse le chemin du temple, je vais te conduire au roi Ikana. Le roi se trouve dans les ruines du château d'Ikana. Il attend celui qui pourra lever la malédiction. J'ai fait ma dernière requête. Très bien, il va me conduire comment s'il disparaît ce con? Théorie, montage, ça ressemble à montagne. Montagne, c'est le logo de NordVPN. Installez-le bien, évidemment, pour un café par mois. Qu'est-ce que je dois... qu'est-ce que je dis, moi? Je suis pas youtubeur, je disais NordVPN égale technologie, égale console, égale Switch, égale Zelda, égale Link. Je pense que Link fait du montage dans la vie courante. Vous êtes parti bien loin, monsieur Shadowhammer. On va essayer de fouiller là-dedans quand même. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je serais surpris de voir ça. Allons-y, coulons. Il est temps de couler. Ah ben non, c'est vide. La source arrive du vide. Très bien. T'y es presque.
Il y est presque. Vous n'êtes pas prêt et je vous souhaite bon courage. Ok, bon, on va retourner, on va essayer d'aller discuter au moulin et ensuite on ira vers le temple. Si c'est le seul à pouvoir l'ouvrir. Ah, ça y est, ils sont sortis. Ah, nouveau PNJ, j'ai l'impression. Ils ont fait des efforts. Hein. Je me fais violenter par des corbeaux ici. Et pourquoi ça ne veut pas rentrer ? Pas une autre entrée ? Sérieux, c'est une blague à la base. Tu en avais déjà fait à Chef Puma ? Alors, on va récupérer les sous quand même, hein, pas déconner non plus. Pourquoi j'arrive pas à rentrer ? Je sais pas. Le moulin c'est fait, hein. Bah écoutez, on va aller au donjon. Ou le temple, il m'a dit que je suis le seul à pouvoir l'ouvrir. Rentre et sors d'une maison. Et équipe-toi du masque de pierre. Et du masque de pierre. Putain, mais comment on peut savoir ça? Putain, il était obligatoire alors le masque de pierre. C'est pas possible. Elle est pas ressortie. Attendez, je comprends pas. Non, ça marche pas. Il n'est pas obligatoire, mais te simplifie la vie, car te rendant invisible. Ah, il me rend invisible. Par contre, c'est foutu, là. Elle est plus là, la fille, hein. Elle est plus là, la fille, je me suis fait carotte. Est de retour ou pas? Elle est plus là. Si elle n'est pas ressortie, est-ce que tu as une bombe? Oui, j'ai des bombes. J'ai bien fait de faire un tour de village quand même. J'en ai 40. Quand même énorme. Qu'est-ce que je fais avec la bombe? Oui, après je vais pas trop dire à quoi je pense si c'est bien ça. Ouais, elle est pas ressortie. Fais exploser une bombe, elle va être intriguée et sortir. Ah, mais putain, mais comment tu peux savoir tout ça? Pas possible. Ah, mais c'est un truc de fou! Je peux rentrer, du coup? Oh, putain! Mais comment tu peux savoir tout ça? C'est pas possible! Là, les ennemis m'attaquent pas, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette maison? Ah, c'est le père! Cette momie a l'air différente. On dirait qu'elle attend que son âme soit soulagée. Allez, fais quelque chose! J'ai compris. J'ai compris du premier coup. Ah, ce n'est pas ça. Il faut donc l'apaiser. Il faut donc l'apaiser. Il faut donc l'apaiser. Le chant de l'apaisement. Gauche, droite, bas.
Ah, ça a marché, les gars. J'ai trouvé tout seul. J'ai trouvé tout seul. Oh, je l'ai soigné en plus. Papa? Oh, c'est mignon. Papa! Pamela! Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Rien, mon petit papa. Il ne s'est rien passé. Tu as fait un mauvais rêve. C'était juste un mauvais rêve. Pamela. Ah, ils vont me filer un masque. Le masque de momie. Vous obtenez le masque de la momie. Ce masque était avant le visage hideux du père de Pamela. Ce masque est si réaliste et si effrayant qu'il pourrait tromper même une momie. Ça veut dire que les momies ne m'attaquent pas avec. Ça, c'est très bien. C'est très très bien. C'est beau. Une belle musique en plus. C'est très très beau. Ok, maintenant, go, c'est parti. On a résolu l'énigme. Il nous reste deux masques et on a le full masque quand même. Hein. Faut quand même le noter. Hein. Regardez-moi ça comme il est plein. Il nous reste qu'un masque en fait. Alors ok, maintenant, donc pour le puits de ces morts, tu vas aller acheter une potion. Donc là, je vais acheter la potion, c'est ça? Là, je vais acheter une potion, Docteur Nintendo. Vous me confirmez, Monsieur Docteur Nintendo? C'est maintenant la potion? Et oui, il donne une bombe, là aussi. Hein. Il donne pas des bombes pour rien. Hein. Regarde tout ce qu'il faut prendre au puits. Pour être bon. Ah, pardon, une potion bleue trouvable pour 100 rubis à la peste Mojo près de la cachette de Sakon Ikana. 5 harigots magiques trouvables au marais pour 50 rubis. Donc il me faut 3, il me faut donc 150. 5 harigots magiques trouvables au marais, d'accord. Du tourisme, à l'office du tourisme du marais, d'accord. Ah oui, c'est vrai, c'est les pestes Mojo qui les vendent. Un poisson trouvable à l'entrée. À l'entrée de quoi? 10 bombes à acheter à la boutique. 10 noix mojo trouvables sur place. Une âme trouvable sur place. Une âme? Du lait à acheter au bar à 22h. Je pense pas pouvoir faire un cheminement plus opti. Ok. Nickel. Bon, on va commencer... L'entrée du puits. D'accord, c'est l'entrée là-haut. D'accord, ok. Les bombes, on les a. C'est ok. Les bombes, on les a. On va filer. On récupérera après. On va d'abord aller à la banque. Et ensuite, on ira récupérer 5 haricots magiques. Ok, c'est parti. Et il me faut 200 boules. Il me faut 200 boules. Tout le reste, c'est trouvable. En fait, j'ai besoin de 200 boules. C'est parti. Go. C'est parti. La quête de la récupération d'objets. Le lait, coûtait combien, le lait? Du lait à acheter au bar. Tu m'as pas dit combien il coûtait, le lait. On a dit qu'on allait acheter d'abord... On a dit... Non, on va à la banque. On va à la banque. En gros, prends le nécessaire pour tout acheter. Achète tout et ensuite tu iras au puits. Le lait prend 50. Ok. Il y avait des graines mojo, je crois, à vendre, non? Me semble, non? Merde. Il me semblait qu'il y avait des graines mojo qui étaient en vente aussi. Tu m'as dit que c'est trouvable sur place.
C'est trouvable sur place, du coup. Oui, au pire, prends les noix au magasin si tu veux être en avance. Voilà, c'est parfait. Ensuite, on dira au marais, on prend 250 balles. C'est par où? C'est par en bas. Donc, la boutique. La boutique en priorité. Ça, c'est la boutique, elle est au-dessus. Non, la banque, autant pour moi. On prend 200 balles. Cassez-vous les bombers. Cassez-vous les bombers. Alors, non, putain, déposer. Fais chier, je vais trop vite à chaque fois. Allez, on va prendre 150 balles, ça suffira, je pense. Retirer. 150 rubis. 147 pour faire un compte rond. Ouais, donc il y a quand même... 146. Non, pas 146. Bon, c'est pas grave, 146. Et pas à 2 rupies près. Prends 200 au cas où. D'accord. Je pensais que 180, c'était bon. Tiens, j'en ai marre. Mais non! Mais putain, c'est le premier choix à chaque fois, bordel! Sans déconner, je m'embrouille tout seul. Je veux retirer. D'accord. On va sortir 150 encore. On va sortir 150. Et 182. On sera bien. Ok. C'est parti. Donc... Ah, oui, il vend des grès de mojo. Ok, on vire le truc. Donc les grès de mojo, tu m'as dit, il en faut combien? Les grès de mojo, combien ils coûtent? Les haricots magiques, combien ils coûtent? Ouais, quand même, 30 rubis, quoi, les 10. D'accord, j'achète. Pourquoi je peux pas en transporter? Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah mais je suis déjà full, putain. Je suis déjà full en grain de mojo, bordel de merde. Du coup, bah, c'est direction le marais. Direction le marais, on va chercher les... C'est 10 euros l'unité. 10 euros. 10 rubis l'unité, il en faut 5, donc c'est 50 balles. Très bien. Et on file au marais. Le marais. On va gagner du temps parce que, en fait, on va pas faire la recherche au temple directement. Ou au temple, ou à l'endroit du puits. Ok. Donc, c'est à l'office du tourisme. Et c'est lui qui en vend. Il faut que je sois en mojo, je crois, non? D'accord. C'est en mojo. C'est en mojo. Et en mojo, il va me dire quoi? Ok, faut que je lui en achète 5. J'en ai combien? Donc j'en ai un, faut que je lui parle 5 fois, ils sont sérieux?
Ah putain, faut que je parle 5 fois. Ok. Ça fait 2. Ça fait 3. Et ça fait 4. Ok. Et ça fait 5. Ok. J'en ai bien 5. Parfait. 5 haricots magiques. Les mojos, on est bon. Un poisson trouvable à l'entrée. 10 bombes. Une âme trouvable sur place. Et du lait. À 22h. Je suis obligé d'aller à 22h du coup le soir. Au milk bar. Qui c'est qui nous donnait du lait aussi? Il n'y avait pas Romani qui nous donnait du lait par hasard? Ça me fait chier de l'acheter, hein. Ok, est-ce que j'ai un flacon vide? J'ai un flacon vide, c'est parfait. On va se mettre en rapide. Non. On va se mettre le soir. Oui, si, mais c'est avec sa quête et qu'elle en donne. Ah oui, c'est trop long, effectivement. Nuit du premier jour. Ensuite, on va décélérer le temps, 18, pour aller à 22h. On va décélérer le temps. Ok. Parce que le temps n'a pas le temps pour le temps, vous le savez. Alors, le milk bar, il était là, je crois. Et il est 6h du soir. Faut attendre l'ouverture. Donc c'est ça, le milk bar. Il me faut le masque en plus, non? Pour le soir. Faut que je porte le masque, il me semble. Bon, il n'y a plus à rien attendre 22h, là, du coup. Hein. Oui, il faut le masque, c'est ça. Il y a des trucs qui me restent, quand même. Hein. Vous avez vu? Parce qu'en gros, il y a une vache sur place, mais faut d'autres objets pour l'avoir. Alors, je suis désolé, je reviens dans un instant. Pas longtemps.
Désolé de ce petit contretemps. Pub, le soleil vous éblouit. Rendez-vous dans l'un de nos 200 opticiens Shadowhammer. Et avec la paire de lunettes, achetez la deuxième paire de solaire est à 1€ avec des verres teintés. Le soleil ne passera plus à travers vos yeux et vous ne serez que vous serez dans l'ombre du soleil. Shadowhammer, nos opticiens avec des prix éblouissants. C'est quelle inspiration top top à chaque fois pour faire ces pubs quand même. C'est quand même très très satisfaisant. Alors, que prendrait la monture B? Alors, je prendrais la monture B. Pour chaque cas, c'est un homme qui l'a sorti trop tard. Allez, on fera peut-être 5-10 minutes de plus. Hein. J'étais en discussion avec Madame Wham. Alors, du coup, 10h, ça va, c'est 7h. Préférez mettre pause hein, pour pas rater l'horaire, on sait jamais. Je suis pas beau avec ma avec mon masque de vache, sans déconner. En discussion ou en discussion express? Discussion express discussion. Un peu des deux, docteur Nintendo. Alors. Il est 8h, c'est 22h, non? On peut rentrer, mais ça n'a pas encore ouvert. Très bien, ça n'a pas encore ouvert. Mais en fait, ça veut dire quoi? J'y suis toujours allé quand le bar était fermé, en fait. Je suis jamais venu au bar à 22h. Je pense pas. Allez, il est 21h, vous avez plus qu'une heure à attendre. Oui, c'est ça. Oh putain, mais ça veut dire qu'il va avoir de l'ambiance, il va avoir des gens. Parce que j'y suis allé la nuit, mais c'était la nuit du dernier soir. Le bar était fermé, tout le monde s'était cassé. Oh putain, non, mais attends, il va se passer quelque chose en fait. Ça va être la teuf, peut-être. 9h, attention. Bon, on a vu personne rentrer. Ne me dites pas qu'il y a du monde. On a vu personne rentrer. À moins qu'il y ait une entrée secrète. C'est peut-être possible. On va voir les gens rentrer à 22h pile. Attention. 3, 2, 1. On va rentrer. Avant de rentrer, je mettrai le temps en version lente. Hop, 22h. Oui, je ralentis le temps. Alors voyons voir ce qu'il en est. Non, je suis déjà rentré puisque... Ah, tu es membre. Ben oui, je suis déjà rentré puisque j'avais la... Puisque j'avais la truc de... Le chapeau de vache. Ah non, je me suis fait des films. Donc je veux acheter du lait. Alors, il y a une route appelée la route du lait au sud de la ville. Ça pourrait être une blague, mais il y a un énorme rocher. Très bien. Boire un coup. Qu'est-ce que ça sera? Un lait normal ou la cuvée Romani? Un lait normal. Hein. Pas déconner non plus. Hein. Ok, on a du lait. Mais il nous reste plus que... Il nous reste plus que la potion bleue. On est d'accord. Il nous reste plus que la potion bleue. Donc la potion bleue, on va faire ça. Et on va se barrer à la vallée d'Ikana. Et on va redescendre pour retourner. Comme ça, ça nous évite de prendre Epona et compagnie.
Allez, marche arrière toute. Pas mal. Le saut des enfers. On va prendre le Goron peut-être, non? On va prendre le masque de lapin plutôt. La cuvée, c'est la fameuse denrée qui te permet d'avoir magie illimitée pendant les 3 jours. Ah, ok. Ah putain, elle m'a maudit. M'a maudit l'enfaros. Hein? Ah mais c'était... Ah mais je suis... j'étais obligé en fait. Putain, sans déconner. Bon, elle est déjà là. Déjà ça. Il était... Ok, on va se mettre dans l'axe. Ah putain, ça a pas passé. Non! Il est descendu, ce con. Hey, listen. Oh là là. Mais tu vas où? Ouais, mais tu retournes sur tes pas. Ah, mais c'était à droite, c'est vrai. Putain. Autant pour moi. C'est vrai, c'était à droite. Quand on arrivait à la truc, je me suis paumé. J'aurais compris qu'une fois arrivé dans la vallée de Termina. Mais tu vas où? Tiens, je vais faire un petit gamble. Vous n'avez rien vu, vous êtes tous aveugles. Vous avez rien vu, vous êtes tous aveugles. Vous avez rien vu, vous n'avez rien vu. Il a vu. Tu l'as mérité, le 1. C'est un moment assez cocasse quand même. J'avoue qu'il arrive à un moment extraordinaire. Je vais être sincère, entre vous et moi, il arrive dans un moment extraordinaire. Mais oui, que je suis bête. Pff, sans déconner, c'était là-bas, bien entendu. Il nage plus vite avec le masque de lapin ou pas? Je pense pas. Hein. Je pense pas. Mais oui, que c'était par là, putain, sans déconner. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Hein. Donc il achète à qui? Il achète à l'être humain, je pense. Il faut que je vide une... Il faut que je vide un flacon. Il faut que je vide un flacon. Pas le choix. Ils sont tous pleins. Sans moi, mais tu serais où dans ce jeu, bordel? J'aurais abandonné. Ou alors j'aurais regardé une soluce. C'est sûr et certain. Seul, sans soluce, j'aurais mis 1000 ans à le terminer. Ou j'aurais peut-être abandonné. Oui, de la potion bleue, s'il vous plaît. Parfait. Merci bien, tu es bien brave. Je pense qu'on a tous les items, non? Alors... Faisons le point de l'inventaire. 5 haricots, on a. La potion bleue, on a. 10 bombes, on a. 10 noix mojo, on a. Une âme trouvable sur place, on va la trouver. Du lait, on a. Il nous manque plus que le poisson et l'âme. Ok, sans oublier... Sans oubli de ma part, on a tout. Au pire, s'il manque un truc, je t'indique l'endroit. Parfait. On file. Alors, hop, version Ikana. On file à Ikana et on y va. 22h36, effectivement. 22h36. On va virer cette potion de peur de l'activer, sans faire exprès.
Donc là, je retourne dans le puits. Le puits, il est là, on est d'accord. Le puits de ses morts, c'est là. Hein. Donc tu me dis qu'il y a un poisson. Je ne vois pas de poisson. Non, c'est un trou dans les hauteurs. Comment ça dans les hauteurs? Comment on fait pour activer, pour le trouver? Alors, un trou dans les hauteurs. On va monter au maximum. Ah, ici. Ah, c'est bon, j'ai trouvé le puits. Effectivement. Mais je suis maudit. Je suis maudit. Combien de temps je vais être maudit, bordel de merde? Bon, on va descendre. On va regarder le panneau, quand même. Puits vide. Entrée interdite en raison d'apparition de fantômes. Très bien. Ok, on y va. Mets le masque momie! Putain, tu fais bien de me le dire. Merci beaucoup. Masque momie activé. Je peux pas le mettre là, le masque momie? Voilà. Ok, c'est bon. Le poisson est après la potion bleue. Comment ça, le poisson est après la potion bleue? Je n'ai pas compris. Non, je sais où en choper, moi, des poissons. Tu vas comprendre. Ok, effectivement, on a le masque de la momie. Ok, une momie. Faut backciter la doc. 22h40, faut backciter. Moi, je lui enverrai une bombe. Hein. Pourquoi elle pète? Pourquoi elle me pète dans la gueule? On va les jeter. Parle-leur au lieu de les tuer. Ah oui, effectivement, on peut leur parler. Pourquoi tu veux toujours tuer les trucs? Donne-moi du bleu, le bleu qui donne de l'énergie. Et tu m'as dit quoi? Le poisson est après la poisson bleue. D'accord, donc là, je lui file une bombe. Va-t'en, il m'a dit. Donne-moi. Ok, la poisson bleue. Eh oui, donc c'est là. Oh, t'imagines, à l'époque, tu devais faire tout pièce par pièce. Parce que tu savais pas ce que tu devais récupérer. Allez, on lui file la potion bleue. Eh oui, le masque de momie était obligatoire aussi. C'est bien, tu passes, il m'a dit. Oh là là, non, au secours. Ça fait quoi, tiens, si j'allume... On va allumer. Moi, j'aime bien allumer les flambeaux. Ça fait rien du tout. Oh, il y a un poisson! Ah, c'était pour voir le poisson. D'accord, le poisson, il est ici. Prends juste le poisson, après tu iras vers l'autre momie. Ok. Ok, vous obtenez un poisson. Magnifique. Et on file sur l'autre momie. Ah ouais, sur ce genre de passage-là.
sur ce genre de passage-là, oh, tu m'as fait gagner grave de temps. Donne-moi, donne-moi. Laisse-moi ce qui pousse avec de l'eau et qui se mange. J'en veux 5. C'est une blague. Mais c'est une blague. Il va repop à chaque fois, j'espère. J'en veux 5. Si tu n'as pas, va-t'en. Je lui ai donné le poisson. Les haricots. Ah, ce qui pousse. Donne-moi, donne-moi. Ce qui pousse avec de l'eau. Mais j'ai compris le poisson. Oh my god. Oh my god. J'ai honte. J'ai honte. Effectivement. Il en veut 5, on va lui en donner 5. Les poissons, ça pousse avec de l'eau, peut-être. Oh, j'ai déconné, là. Mais j'ai vu eau, j'ai compris poisson, moi, je sais pas pourquoi. Un poisson, ça ne pousse pas, ouais. Mais j'ai cru qu'il voulait dire grandir. Oh, putain, au secours. Oh, putain. Ils vont me casser les couilles. Ah oui, effectivement, les bâtons mojo, c'était peut-être récupérable sur place. Ok, lui va souffler. C'est un mini donjon là aussi, en fait. Oh non! Mais je l'ai pas vu venir! Putain, je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas entendu. J'ai vu de l'air. J'ai pensé à un oiseau, moi. Bien. Ça, c'est bien joué. Attention, la main. Elle se divise pas en petites mains, là, hein. C'est bon, c'est réglé. Alors, du coup, on va parler à lui. Donne-moi, donne-moi, donne-moi ce qui est frais, ce qui se mange, l'éclat d'argent au fond de l'eau. C'est du lait. Donne-moi ce qui est frais, l'éclat d'argent au fond de l'eau. L'éclat d'argent? On avait récupéré quoi? Au fond de l'eau. L'éclat d'argent au fond de l'eau. Le poisson? Le poisson? Oh oui, oh oui, ouf, j'ai eu peur. J'ai bien réfléchi là. Ah oui, il m'avait dit le poisson, Docteur Nintendo. Les vaches, la chaîne. Les vaches vivent dans l'eau maintenant. T'es vraiment pas doué pour les énigmes. Non, 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 j'ai compris tout seul. J'avais pas vu ton message, Docteur Nintendo. Ok, on va aller là. Putain, mais il y en a de partout, c'est pas possible. Donne-moi, donne-moi. Un esprit. Ah, j'ai pas le fantôme, effectivement. Je n'ai pas le fantôme. Je n'ai pas l'âme. Je n'ai pas l'âme. Il y a des trucs cachés ici? Oh putain. Oui, c'est ça l'âme. C'est ça, c'est ça. Non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas ça. Ok, donc retourne sur tes pas à la pièce précédente et donne à l'autre momie. D'accord, ok. Donc là, on va donner ici. Donne-moi, donne-moi. Tiens, mais ça aurait été super long, cette quête. Merde, j'ai pas lu.
Donne-moi, il veut quoi? Laisse-moi de ces choses qui font des flashs. J'en veux 10. Parle des bombes. Parle des bombes. Ils font des flashs. Ah non, les flashs, c'est les Noirs Mojo. Noirs Mojo. Après, tu vas donner à la momie qui garde la grosse pièce au nord. Oui, c'est ça. D'accord. Parfait. Ils ont mis quelques ennemis quand même. Ok, il y en a plusieurs encore, hein. Il n'y a pas de fantôme. Donne-moi ce qui fait fondre la glace. Ce qui fait fondre la glace. Donne-moi. 10 de ces choses qui explosent, les bombes. Là, c'est les bombes. Ah oui, c'est ça. C'est pas mal comme idée, ce donjon. C'est vraiment pas mal du tout, hein. Ah putain, ils nous ont remis ces trucs-là. Oh putain, le retour. Oh le retour, je le déteste. Bon, heureusement que je me souviens comment on le bat. On est dans une version plus dure en plus, hein. Vous vous souvenez quand on avait galéré avec Igor? Putain, mais il est chaud à loquer, hein. Heureusement qu'on a des flèches. Une âme, magnifique. Ok, on va te mettre ça ici. J'ai peut-être bien fait de... Ok, une âme en bouteille, magnifique. On va changer d'item histoire de pas le perdre. J'ai une idée. Donne-moi 1000k, 10 000k, 10k pardon. Ok, ah il donne du matos quand même. Heureusement. Je me suis bien débrouillé, hein. Bon, on le connaissait. Et après l'âme, ça sera la momie de la tour au nord. Ah oui, ça y est, j'ai la carte. J'avais pas vu la carte, moi. Donc tu me dis... Donc j'ai l'âme. Je peux me barrer. Donc là, je reviens. Oh putain. Je les ai pas vus. Alors, il veut quoi? Donne-moi. Ce qui fait fondre la glace. Donc ça, c'est mort. On retourne sur celui qui voulait l'âme. On va aller sur celui qui voulait de l'âme. Ok, ici.
T'es où l'âme? C'était tout droit, non? Au nord, non, au nord. Là, je vais en direction du nord. Je vais là où il y a l'espèce de boule tout en haut, là, tout au nord, ou au nord, l'autre? Sinon, il y a là, au nord, hein. Mais t'es... Redim, Navi! Hey! Listen! Au nord, ici, alors. C'est elle qui voulait une âme, je crois. Je pense que c'est ça. Hein. Donne-moi un esprit, un grand fantôme pour mon tourment. C'est bon. J'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut, t'inquiète pas. J'ai ce qu'il faut, oui. Tu as une mémoire de une seconde, c'est dingue. Non, c'est que je trouvais pas l'endroit. Là, c'est que je trouvais pas l'endroit, tout simplement. Je voulais retourner sur la momie. Oh putain, qu'est-ce qui se passe ici? Bordel de merde. On peut passer ou pas? Oh putain. Oh putain. C'est passable. Non! Ok. Il veut quoi, lui? J'ai pas le masque! Donne-moi. Laisse-moi ce qui est riche en calcium. Le lait, bien entendu. Alors là, ça va, j'ai bien résolu l'énigme. Ok, on va faire ça. Ah oui, c'est ça. Magnifique. Mais il manque quoi? Ah, je récupère le feu. Ah, si c'est pas un indice pour allumer les torches, je sais pas ce que c'est. Hein. Go, c'est parti. Et le problème, c'est que si j'ai pas de... Moi, j'ai bien envie de... J'ai pas de bâton. Oh, attention, on va faire ça. Oh là là, j'ai eu peur, hein. J'ai eu peur, je vous le dis. C'est pour avoir droit à quoi? Où j'ai eu peur. 22h54, parfait. Le banquier en point de Whammer de Doc, il va l'appeler. Vous obtenez le bouclier miroir. Ah, on va pouvoir faire quelque chose ici. Alors... Le banquier en point de Whammer de Doc, il va l'appeler. Pourquoi avez-vous payé 5 fois 500 points? C'était des ridibs. Appuyez sur R et tout, d'accord, c'est bon. Le bouclier, ah bah c'est bon, on l'a gardé. Bien. Donc là, il y a quelque chose à faire. On va se mettre dans l'axe. Voilà. Ok, je t'ai économisé un live et on pourra s'arrêter. Car la prochaine fois, c'est un mini donjon. Attends. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce qui s'est produit? Je ne sais pas ce qui s'est produit. Ah, c'est l'échelle. En goron. En goron, bien entendu.
Je suis gentil, je vous évite la sonnerie. Normalement, tu devais payer 1000 par heure en trop, donc Navi compense. Hein. bien vu, monsieur Top Top. Je lui ai fait la blague au début. Hein. Parce qu'il me doit 40 000 points de Whammer. Hein. Mais il était pas là, je crois, quand je l'ai dit. Du coup, en Goron, je pense, non? Pour pousser le bordel. Bon, pas d'autre solution. Hein. Non? Non? Bouclier alors, dessus? Oui, bouclier, bien entendu. Merde. Bouclier. Parfait. Il y a carrément un mini donjon alors. Il y a quoi de décider en gros sur le bloc? J'allais trouver là, docteur Nintendo. Hein. Vestige du château d'Ikana. On va avoir droit à une cinématique quand même, non? Rassurez-moi. Rassurez-moi tout de même. Oui, tout à fait. Hein. Un fabuleux design. Je suis complètement d'accord, docteur Nintendo. Il a été vraiment amélioré, là, le bouclier de miroir. Hein. Les vestiges du château d'Ikana. C'est très bien. Mais comment j'arrête? Comment j'arrête s'il n'y a pas de... J'ai utilisé ma potion pour rien. Très très belle musique aussi, qui met le stress. J'espère qu'il y a une... Je ne peux pas le voir, mais je sens comme une sorte d'appel du sang. Ah, il y a la présence des autres encore. Retourne à la statue, il y aura une autre entrée. Comment ça, il y aura une autre entrée? Attends, tu me fais peur là, Doc. Tu me fais peur. Il y aura une autre entrée pour venir directement ici? Ah, c'est avec le bouclier de miroir, en fait. Attends, moi je vais à la statue que si... Tu pourras y entrer par un autre passage, donc tu peux aller sauvegarder. Ok. Je veux d'abord ouvrir le passage. J'en veux le cœur net. J'en veux le cœur net, monsieur Docteur Nintendo. Hors de question. 22h59, on va arrêter pile poil, c'est magnifique. Donc du coup, je retourne à la statue. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Je me souviens du bloc, les gars. C'est bon. Je me souviens du bloc. Et on peut même revenir au premier jour. Je me souviens du bloc. Mais il faut qu'il fasse jour, non? Il y avait un bloc ici, non? C'était là, non? Voilà, on avance bien. Le truc que tu tapes fait de la lumière, et effectivement. Eh oui. Ouais, voilà, et on arrive au château directement. Parfait. Et en plus, on peut sauvegarder et retourner au premier jour. C'est magnifique. C'est bon, parfait. Allez. Du coup, allez, je sauvegarde et je retourne au premier jour. Tu me confirmes, au premier jour, on pourra revenir directement ici, normal et tout. Non, le truc que tu tapes fait de la lumière. Donc du coup, tout ce qu'on a récupéré, plus besoin, je file à la banque, je mets les 120 à la banque, quand même qu'il faut pas déconner, et j'arrête. Oui, c'est parfait, impeccable. Là aussi, très bonne mécanique de gameplay. On te fait faire des choses, après du coup, tu peux sauvegarder, revenir au premier jour, donc remettre le timer à zéro parce que tu vas être limité dans le temps. Donc mini donjon prochain live, c'est ça? Mini donjon. Comme la forteresse, effectivement, comme la forteresse des pirates.
Allez, à la banque, on met les sous et on est bon, on a bien avancé. Oh putain, il vient me casser les couilles, lui. Sans déconner. Prochain live, le mini donjon, et après on pourra faire le meilleur donjon. Tout Zelda confondu. Je retiens ses propos, monsieur Docteur Nintendo. Et on pourra dire ce qu'il en est. Mais quand même, la construction de ce jeu est très intéressante. Je pense aussi que... On aurait peut-être... Si on n'avait pas fait tous les masques, l'aventure, elle aurait été... Elle aurait été beaucoup plus rythmée aussi. 128. Allez, impeccable. On est bien, les gars, on est bien. Bien, merci bien. 5 rubis. 5%. 5%. Allez, go le premier jour. Que ce soit sur le design du temple, sa conception et la musique, il est parfait. J'ai hâte de voir ça, mais avant ça, on aura le mini donjon, comme tu dis, Docteur Nintendo. Donc, d'après Docteur Nintendo, 4-5 lives encore pour le finir. Allez, super! Plus rythmé, oui, mais tu n'aurais pas pu bien voir la mécanique temporelle du jeu. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a la moitié des quêtes annexes avec les PNJ, c'est des masques. Hein. Et en plus, peut-être trois quarts même, effectivement. Bon, Link vient de nous regarder et il nous dit « Mais qu'est-ce que tu branles là? J'ai pas que ça à faire, j'ai envie d'aller me dormir. » Merci à vous d'avoir été présents, merci Docteur Nintendo, merci Shadow War, merci Top Top, merci à tous ceux qui sont passés. Une grosse pensée à T41 qui est malade. Et j'espère qu'il va se remettre sur pied très rapidement. Un grand merci. À plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à la revoyure dans la voiture. Et à jamais dans le tramway, bien sûr.